C'est via notre site internet que M. Paquette nous a fait parvenir la question suivante. Pourquoi mon plancher de bois franc ouvre en de larges craques? D'entrée de jeu, mentionnons que les planchers sablés et vernis sur place sont susceptibles de rester collés ensemble et donc de cumuler la contraction de plusieurs planches, ce qui engendrera de larges fissures entre chaque groupe de planches. Pour les planchers pré-vernis, le phénomène est plus discret puisque la contraction, elle, est répartie entre chaque planche. Durant nos hivers, un système de ventilation doit assurer un taux d'humidité situé entre 30 et 50 puisque l'air contient moins de vapeur d'eau. L'emploi d'un humidificateur pourrait alors être nécessaire. À part les fluctuations du taux d'humidité relatif, les défauts d'installation sont parfois en cause et nous pouvons les séparer en deux grands types. Le premier est l'acclimatation du plancher avant son installation, donc les paquets déballés et entreposés dans la pièce où il sera installé à un taux d'humidité normal. Ou soit des clous ou agrafes en nombre insuffisant, ou trop fines, trop courtes, ou sans système d'ancrage comme de la colle.